before the sunrise. One thing is on my mind, need to take the stress and throw it all away. Feelings to discover, knowing undercover what it is you really mean to me. Face
three, four down at the same time. Be damned if I lose and they try to take mine. Gotta get cash, feel deep on arrival. I will take the spot in your title. Rifle, blast ya, strike like asthma. Give me my space, yeah. Right, cause I have to, so I'ma stash ya. If you wanna chase, yeah, I won't leave a trace, yeah. S to the U to the R to the V to the I to the V to the A to the L. Defense. Sure you can lay. Infectious, yet the freshest and the restless. Check this, what you mess with is a death wish. Best get ready cause you can't stop mind. Chainsaw, stop sign on your back blind side. Roll like a tank, hit like a tank. Now far away with the money to the bank. Crush, kill, destroy your opponent. I'm a survivor, only component. Zoning, gotta make it to the next moaning. Roaming, seeing who I'm gonna hit, honing. Pinpoint accurate, laser aim in a system, but I ain't playing your game. S to the U to the R to the V to the I to the V to the A to the L. Defense. Eh bien, salut. Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Alors. Et là, vous vous dites, je vais commencer à jouer à Gunpoint. Ça semble logique, mais j'ai prévu un petit truc. Vous vous demandez pourquoi une image de Chirac? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, je me suis dit hier soir, quand j'arrivais pas à comater dans mon lit, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un discours. Mais comme je sais pas faire des discours, je vais en prendre un déjà fait. Et là, en fait, je tombe sur un site qui recense tous les discours et je vois que y a les présentations des vœux de 31 décembre de tous les présidents. Enfin, pas de tous les présidents, ça commence à Giscard d'Estaing. Salut Edwim. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tenter... d'en faire un de Jacques Chirac. Je vais donc vous faire la présentation des vœux aux Français le 31 décembre 1995 par Jacques Chirac. C'est incroyable. On m'a souvent dit que j'avais une assez bonne voix d'orateur, donc ça pourrait passer. Ça a strictement rien à voir avec Gunpoint, etc. Mais je me disais, ça pourrait faire une bonne entrée en matière, après tout. Alors c'est parti. Ce ne sera pas une imitation de Chirac ou quoi que ce soit, ce sera vraiment un hommage. Mes chers compatriotes, vous m'avez élu en mai dernier pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Une France juste, unie, respectueuse de notre pacte républicain. Une France telle que vous et moi la voulons. Je mets toutes mes forces au service de cette ambition qui est aussi celle du Premier ministre, auquel je tiens à rendre hommage pour l'action courageuse qu'il a menée avec détermination dans des circonstances particulièrement difficiles. Cette ambition est celle du gouvernement tout entier. Depuis 7 mois, notre priorité, c'est l'emploi. C'est au nom de l'emploi que nous remettons nos finances publiques en ordre, afin de construire une économie créatrice de travail et de richesse. C'est au nom de l'emploi que nous menons une lutte sans merci contre le chômage de longue durée, grâce au contrat Initiative Emploi. C'est au nom de l'emploi que nous aidons les artisans et les petites et moyennes entreprises à se développer. La lutte contre le chômage est inséparable de la lutte contre l'exclusion. Je refuse la fracture sociale apparue au fil des gens. Déjà, un programme de plusieurs milliers de logements en faveur des plus démunis est en cours. Une prestation nouvelle garantira bientôt l'autonomie des personnes dépendantes. Nous avons décidé de réformer notre protection sociale. Non pour la détruire, comme certains ont voulu le faire croire, mais pour garder et léguer à nos enfants une protection sociale efficace, juste et accessible à tous. Nous l'avons fait parce qu'il n'est plus possible d'attendre sans mettre en péril notre sécurité sociale dont je suis le gardien. Il n'est pas facile de réformer, je le sais. La crise que nous venons de traverser l'a rappelé. Au-delà de la défense d'intérêts particuliers, elle a mis en lumière des inquiétudes, des angoisses face au chômage, face à des réformes trop longtemps déférées, face à un avenir incertain.
Elle a révélé un manque de confiance dans des pouvoirs qui sont ressentis comme éloignés des réalités quotidiennes et qui n'auraient d'autre réponse au problème de l'heure que l'accroissement des contritions de chacun. Reconnaissons-le, cette crise a pu éveiller chez certains quelques doutes par rapport aux espoirs que mon élection a fait naître. Eh bien non, ces espoirs, je les porte, ils ne seront pas déçus. De la crise, il faut tirer les leçons. La première, c'est qu'il n'est plus possible de gouverner aujourd'hui comme on l'a fait au cours des 20 dernières années. Esquiver les vrais problèmes, poser des pansements sur des blessures qu'on ne soigne jamais, remettre à demain ce qu'il faut faire sans délai. Nous étions au bout de ce système. Il faut bien le comprendre. Si nous voulions être un pays en paix avec lui-même, un pays qui compte dans le monde, nous devons bouger, nous devons nous adapter. Adapter notre défense, adapter notre éducation, adapter notre production contrainte de la compétition planétaire. Pour ces nouvelles conquêtes, je veux susciter la mobilisation de toutes nos énergies. La deuxième leçon, c'est qu'on ne changera pas la France sans les Français. Chacun d'entre nous a soif de considération, d'explication. Et c'est vrai, nous avons moins que d'autres l'habitude de la concertation. C'est tous ensemble que nous devons retrouver les voies du dialogue. Le progrès social en dépend. Il faut des interlocuteurs forts et conscients de leurs responsabilités, des syndicats, des organisations professionnelles et des associations. Il faut surtout que nous apprenions à nous écouter davantage. J'appelle chacun à prendre toute sa part de ce dialogue dont dépend notre capacité à nous réformer. Je souhaite que l'année 1996 soit notamment celle d'un engagement collectif et négocié pour l'aménagement et la réduction du temps du travail, pour l'embauche et l'insertion des jeunes. La troisième leçon, c'est une leçon d'expérience. Les crises sont souvent des révélateurs. Pendant ces semaines si difficiles pour beaucoup de Français, vous avez montré jour après jour un esprit de responsabilité, un esprit de solidarité exemplaire. Des milliers d'entre vous se sont levés très tôt le matin, déployant imagination et volonté simplement pour arriver à l'heure au travail. Je veux aussi saluer la sérénité et la force d'âme dont vous avez fait preuve au moment des attentats qui ont frappé notre pays, donnant ainsi au monde l'image d'un grand peuple dont je suis fier. Pour 1996, beaucoup dépend de nous. La croissance qui crée des emplois sera aussi ce que nous la ferons. La croissance est d'abord la confiance, confiance en nos initiatives, confiance en nos efforts. Et nous avons en main de vrais atouts. Nous sommes la quatrième puissance économique du monde. Notre économie est saine, nos entreprises sont compétitives. Nos services publics, même s'ils doivent s'adapter, sont parmi les meilleurs du monde. Nos jeunes sont nos plus en plus qualifiés. Même si nous devons mieux les orienter, mieux les aider pour la mettre le pied à l'étrier. En tirant parti de leur énergie et de leur enthousiasme, il faut encourager leur formidable capacité d'adaptation et d'initiative. À nous de leur faire confiance et à nous de leur donner la chance. Le gouvernement est tout entier mobilisé. Il a pris des mesures pour relancer la consommation et l'investissement, afin de soutenir l'activité et de créer des emplois. Je lui ai demandé de ne plus recourir à de nouvelles augmentations d'impôts et de cotisations sociales de les diminuer dès que possible. Le Premier ministre s'y est engagé devant vous. Tout cela suppose, vous le comprenez bien, une vigoureuse et courageuse réforme de l'État. Tous ensemble, nous pouvons faire de 1996 une année décisive, une bonne année pour la France. Notre pays joue un rôle important dans le monde. Nous y sommes respectés. Nous venons nous le prouver dans l'ex-Yougoslavie en prenant des initiatives fortes pour mettre fin à de longues années d'un conflit barbare et rétablir la paix dans cette partie du continent européen. L'Europe nous est plus nécessaire que jamais. Elle nous garantit la paix. La France veut y prendre toute sa place. Je veillerai à ce que l'Union européenne soit plus attentive à vos préoccupations quotidiennes, à ce qu'elle réponde davantage à vos aspirations sociales, à ce qu'elle fasse de l'emploi une priorité. L'homme doit être au cœur de notre projet commun, comme je l'ai demandé avec insistance à nos partenaires lors du Conseil européen de Madrid. Pour toutes ces raisons, mes chers compatriotes, je suis sûr de notre avenir. Je laisse certains doutes et souffrent. Il y a des femmes et des hommes en profonde détresse ce soir. C'est d'abord à eux que va ma pensée. C'est pour eux que le gouvernement va soumettre au Parlement une loi qui s'attaquera aux racines de l'exclusion. C'est pour eux que des initiatives fortes seront prises en faveur des quartiers en difficulté. Mais entre tous les Français, entre les plus démunis et ceux que la vie a davantage favorisés, je souhaite une communauté renforcée, plus fraternelle, pour que chacun puisse aborder cette année nouvelle avec espoir et confiance. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire. Nous vivons dans un pays libre, envié même. Un pays qui a traversé bien des épreuves, qui s'est forgé une identité forte. Ce n'est pas rien que d'être Français. Ce sont des droits qu'il faut préserver. Ce sont des devoirs qu'il faut assumer. Plus ferme sera votre volonté, plus grande sera votre mobilisation. Plus loin nous irons, plus forte sera la France. Oui, notre pays est porteur d'un message. Un message de fraternité, de tolérance, de justice. C'est ainsi que je vois la France. Une France qui regarde en face son passé, les heures sombres comme les heures glorieuses. Une France fidèle à son histoire, à ses valeurs, et décidée à les défendre.
Une nation qui entre dans l'avenir avec confiance parce qu'elle a choisi le progrès et la solidarité. Mes chers compatriotes, en cette soirée de vœux, je vous souhaite simplement et chaleureusement une bonne année. Une année sereine, une année heureuse. Nous sommes au début du chemin, mais nous sommes sur le bon chemin. Vive la République, vive la France. Voilà, bon, on peut passer au jeu maintenant. Laissez-moi quelques instants. Voilà. Voilà. Lançons donc maintenant. Oui, alors, je disais, Gunpoint. Oui, alors mon micro s'était coupé. Je disais donc, Gunpoint, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu indépendant. Quand je dis petit, ce n'est pas rien, c'est vraiment 3 heures de durée à peu près. Avec une excellente soundtrack et un développeur extrêmement sympathique. Vous pouvez aller le voir sur son blog, il détaille pas mal de questions de programmation et de level design qui s'est posé et qu'il a facilement résolu. Je vous lance ça tout de suite. Voilà. Vous êtes-vous vraiment jeté par la fenêtre? Non. Je bosse dans une société d'armes à feu, pas loin de l'autre côté de la rue. Quelqu'un s'est juste jeté de votre fenêtre d'appartement. Je n'ai pas envie d'en parler. J'allais justement vous appeler à propos de quelque chose d'autre, mais je suis plus intéressé par ça. Ouais, essayez de ne plus y penser. Qu'est-ce que vous voulez? Mon nom est Selena Delgado. Mon boss Rook dit que vous êtes quelque chose comme un détective privé. J'ai peut-être un job pour vous. Vous voulez venir? Bien sûr. Je viens. Alors le principe, ça va être une série... Tout simplement merde. Non, je peux pas passer par là. Faut que je monte par là. De level et de... Oula. Une série d'énigmes. Enfin, plus pas d'énigmes, mais de puzzles, on va dire. Voilà. Je peux vous montrer ça. Une série de puzzles, plutôt, dans des... Niveau assez bien fait. Félicitations pour votre achat de votre nouveau vêtement Bullfrog. Attention, un saut à force maximum peut péter les vitres. Et les enfants. Outdoors only. Gunpoint. Alors on pourrait se dire, vu le nom du jeu Gunpoint, qui signifie tout simplement au bout du, enfin, à point blank, c'est-à-dire juste au bout du fusil, quoi, que on aurait un flingue, mais non. Conway, c'est Melanie Rook. Selena Delgado travaillait pour moi. Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour parler? Et oui, alors oui,
Donc je vais m'y retrouver dans mes explications. Je disais donc, ce jeu est en fait un puzzle game tout simplement, dans lequel il va falloir interagir dans des niveaux qui combinent évidemment des puzzles, comme j'ai dit, et des éléments d'infiltration. Alors les éléments d'infiltration sont extrêmement simples, ils font partie du puzzle finalement, mais c'est très agréable à jouer. La mécanique est extrêmement simple à prendre en main, mais assez complexe pour qu'on puisse y revenir assez souvent. C'est principalement dans ça que le speedrun va être intéressant, c'est trouver le meilleur moyen, la nouvelle route, la meilleure route à faire pour pouvoir finir le niveau assez rapidement. Évidemment, la petite particularité de ce jeu, c'est qu'on a des petites scènes comme ça où on s'envoie des messages et on a plusieurs choix de dialogue possible. Ici, j'ai trois choix. On a soit le gentil flic, on a la phrase débile et on a le flic mystérieux. On va prendre le flic débile. J'aime bien le flic débile. Je ne l'ai pas tué, je sais. Je vous ai vu sur footage. Ah, c'est difficile de traduire en direct. Je vous ai vu sur la caméra de sécurité. Mais la police d'à côté ne va pas plus loin que les pièces à conviction faciles. Ce film vous met sur le devant de la scène. Et j'ai besoin, je dois leur donner. Ouais. J'admets que je suis dans la merde. Je dois donner ce film seulement si je l'ai. Soyons sûrs que je ne l'ai plus. Je n'ai plus ma copie, mais ma caméra a quand même une sauvegarde. Dans un data center, dans 5 différents lieux. Si vous pouvez les effacer tous, vous êtes sauvé. Et la police va devoir trouver le vrai tueur. Pourquoi vous ne pouvez pas l'effacer vous-même ? Si je pouvais l'effacer moi-même. Pourquoi vous ne pouvez pas l'effacer à distance ? Si je pouvais l'effacer à distance, il n'y aurait aucun point à... Non, c'est pas vrai. À le storer remotely, hein ? Allez, va faire ta mission, connard. Et elle a déconnecté. Donc là, on a le hub du jeu, tout simplement. Ici, on a les missions. On a le shop qui va nous permettre d'avoir... nos upgrades, et évidemment ce qui nous intéresse évidemment c'est Crosslink et Wirejack. Le reste c'est assez comment dire, gadget, ça peut être sympa, mais et les upgrades qui nous permettent en fait tout simplement d'améliorer l'une des principales features du gameplay, c'est les sauts qui sont faits par la combinaison Bullfrog. Donc il y a le jump strength qui améliore la distance et la vitesse à laquelle on va sauter, et le charge up qui nous permet de charger plus vite. Bon, voilà quoi. On va plutôt prendre un charge up parce que c'est vraiment un peu chiant à charger. Et on va accepter ça. Alors évidemment, à chaque fois qu'on va accepter une mission, il va y avoir une autre, un petit texte comme ça. Bon. Limite, vu que mon stream est plutôt beau là, je me dis, vous pouvez le lire vous-même. Ça vous fera pas de mal. Sur le toit, il y a des ordinateurs. Si vous y allez, vous pouvez effacer le truc. Bon. Ok. Et puis on peut demander des infos sur la mission. How do I get in? J'ai eu un de mes gars qui a ouvert la porte devant. Et leur système électrique est à câble, depuis ici. Mais pas les serveurs. Ok. Comment j'efface ? Ouais. Ok, bon bah, ouais. Ouais, en gros, va falloir effacer. Bon, bref, j'appuie sur un bouton, ça marche. Allez, start mission.
Voilà, on est dans le, on est maintenant dans. On est maintenant. Pourquoi je rigole? On est maintenant dans le jeu. Et vous voyez qu'on peut sauter extrêmement haut. Il y a un petit temps de charge. Et les machins bleus indiquent la hauteur et où est-ce qu'on va atterrir. Hop. On peut évidemment bouger, on peut sauter un petit coup, ça sert à rien. Et on va monter. Principe aussi, avec la combinaison, on peut tout simplement s'accrocher aux parois. Je crois. Allez. Et vous voyez, on pourra plus tard rewire. Je vous explique pas tout maintenant. Vous voyez ce petit machin ici, c'est un objectif optionnel qu'on peut hacker, qui nous donne des informations de background très sympa. De Julian Mayfield, chef de police, tout bah la police. Le sujet c'est la sécurité du privé, enfin la sécurité privée, ouais. J'ai entendu que les officiers aimaient pas trop ça. Comme on a fusionné avec la plus grande boîte de sécurité de la ville, maintenant les polices serrent les deux rôles. Ouais, vous n'aimerez peut-être pas bosser pour eux, mais votre rôle est le même, protéger et servir. Avec tous les coupures de budget qu'on a eues, les nouvelles ressources qu'on va gagner sera la seule raison d'avoir du bon équipement. Basiquement, ce sera dur. Ok. Bon, ça va m'entraîner à l'anglais aussi. Hein. Je suis désolé, ce jeu est en anglais. C'est un très bon jeu, mais bon, il y en a un peu. Hop. J'ai juste appuyé sur un bouton. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est exploser les vitres. Bah. Voilà. Continuons. Bien joué. Passer à travers des portes déjà ouvertes, c'est ma spécialité. Nos sources nous ont prévenu de 4 autres endroits. Les autres sont un peu mieux gardés, mais rien de vraiment difficile. Je vais vous donner les adresses. Ouais, dans l'ordre de sécurité, puisque franchement, je n'ai aucune idée de comment bon vous êtes. Merci pour donner ma crise personnelle une plus haute difficulté. Quand vous voulez. Vous verrez, ouais. Vous verrez une mission pour un job, un briefing pour un job à Prunemall Drive. Prenez-le. And call. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer tout le temps. Excusez-moi pour le temps que je mets à essayer de traduire, mais c'est plutôt difficile. Et je suis sûr que vous non plus, vous n'y arriverez pas. Allez, hop, on va augmenter ça. Toujours pas, par contre, ça oui. Ouais, machin a plus à meilleure sécurité. Mon gars peut ouvrir la porte devant pour vous, mais la porte tout le serveur est secure. Donc elle est sécure. Deux gardes travaillent ce soir. Qui que ce soit dans la salle de serveur peut probablement ouvrir la porte faites-le faire pour vous. Ok. Ce n'est pas l'opposé du travail d'un garde. Ça l'est, mais ces hommes. Prennent plus de.
Ouais. Ok. Bref, en gros, c'est pas vraiment des professionnels. Alors, les gardes vont me tirer dessus à vue. Magnifique. Donc voilà, ça ajoute au puzzle, il y a des êtres vivants. Le curseur va tourner rouge quand les gardes peuvent me voir. Vous voyez, là c'est blanc, ils me voient pas. Là c'est rouge, ils me voient. Ah oui, je peux aussi passer au plafond. Qu'est-ce que... Ah oui, voilà. Ici, en fait, tout simplement, il faut sauter sur le garde. Comme ça, il est vénère. Enfin, il est sur le sol. Et ensuite, on peut le taper. Voilà. On peut aussi, avec A et D, ben, s'en aller. Mais on peut continuer à le taper. Encore. Et encore. Et plein de fois. ouais, il faut seulement un coup de poing pour les mettre KO. Hein. Ben, mais ce que vous faites est très bien aussi. Hein. C'est probablement ok. Ok, vous pouvez arrêter maintenant. Y a pas de succès pour ça. Hein. Jésus-Christ. Ouais, attendez. Est-ce que vous faites ça juste pour voir s'il n'y a pas d'autres messages? Non, parce que c'est l'une des plus débiles, c'est l'une des plus mauvaises raisons. Pour taper quelqu'un dans la tête 103 fois. Et enfin le compteur va augmenter encore et encore. Et effectivement, je ne sais plus à partir de combien de coups de poing on gagne un succès. Donc voilà. Hop. Alors, seulement les gardes peuvent utiliser le scanner. Dans le noir, les gardes vont chercher pour un. Vont essayer de trouver un light switch. Et les gardes ne peuvent pas voir vraiment loin dans le noir. Hop, on fait ça, on se casse là. Et on le tabasse. Voilà. Tranquille. Ou comment résoudre des problèmes extrêmement rapidement. Ou leur petite particularité, on ne peut pas charger le saut en courant. Alors vous voyez ici, on a plusieurs niveaux de trucs. Ah, j'ai oublié le laptop, ah dommage. Je vais le refaire. Heureusement, je peux. Ouais, good, tarte mission. On peut totalement skipper tout ça, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors... De Julian Machine, chef de police, tout la police. Sujet, changer de d'armes. Je deviens malade de dire ça, mais je vais. Ouais, c'est Spider-Man. Je vais le garder. Dire ça vite fait. Toutes les armes à feu de la police sont Palm Print Coded. Voilà. En gros, il y a des codes très précis. Je sais pas comment on appelle ça. Des scans. Empreintes digitales, voilà. C'est. Toutes les armes à feu de la police sont à. Ont un code à empreinte digitale. De leur possesseur. Si vous prenez celui d'un autre, ça ne va pas tirer. On voit trop de trucs comme vendredi. Des criminels s'enfuyant parce qu'un officier utilise une arme empruntée ou volée des évidences. Si vous perdez votre arme, ce qui semble subvenir plus que je ne puis le comprendre, reportez-le.
Je prends pour moi la charge du remplacement. Vous avez besoin d'une arme qui marche. Ok, voilà. Ouais. Normalement, j'ai même pas besoin de lui péter la gueule en fait. Ah merde. Bon. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? On va refaire vite fait, hein. Hop. Tant mieux, bon. Voilà, maintenant, ici on voit localized crossing, c'est-à-dire qu'on va devoir acheter le crossing. Et ce qui va nous permettre d'accéder. Et là, vous verrez. Ok, donc il n'y a pas de garde ce soir. Je demande comment. En gros, elle nous explique comment utiliser le device, hein, le machin, le crossling, voilà. Vous verrez. Je sais même pas pourquoi je clique en fait, parce que je connais moi. Et puis, bon, en fait, le crossling, en fait, c'est une app pour le téléphone qui permet d'hacker les systèmes électroniques des buildings et de recâbler certains trucs. Voilà, voilà. En fait, c'est une sorte de... Comment on appelle ça? Merde. De Watchdog en mieux. Bref. Bon. Hop là. Voilà, je suis passé en mode crosslink. Tout simplement. Il faut pas bouger évidemment en mode crosslink. Et ce qui va vous permettre en fait de rewire, enfin de recâbler certains trucs. Ce qui est très très pratique. Vous voyez, j'ai. Démonstration, bon voilà. En gros, il dit qu'en gros, il y a de plus en plus d'objets qui fonctionnent mal. Il se demande pourquoi. Et nous on sait. Bon. Voilà, donc j'ai recablé le truc, vous voyez. Le câble est ici, c'est très très simple. Et voilà, j'ai ouvert la porte. Il n'y a pas, pour l'instant évidemment c'est des niveaux tutoriels. Pas encore grand chose à expliquer. Alors évidemment pour avoir un score noise parfait, tout simplement, il aurait fallu refaire le tour. Mais j'aurais perdu du temps. Bon, de toute façon, là. Voilà, voilà. Hop, hop là. Là, il nous explique en gros avec les. Comment on appelle ça? Les prises électriques, si on les relie à quelque chose, ça va émettre un petit jet d'électricité. Bon. Très utile. Voilà, directement, on passe à la prochaine mission. Là, va falloir réfléchir un petit peu. Donc, nous avons tout ça mappé. Et on voit qu'ici, ce mec-là regarde cette porte et ça va être plutôt chaud. Donc, on voit ici ça aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est de émettre un petit courant électrique qui va le stunner sans qu'il ne voit. Voilà, tranquille. Et puis voilà. Bon, alors la méthode la plus simple en fait, c'est tout simplement on assomme ce garde, on passe. Enfin, on relie ce truc là, ici, tac, on allume, pff, il tombe, et on y va. Tranquille. Sinon, il y a une deuxième méthode qui consiste à. Tout simplement. Je sais plus. Ouais non, de toute façon je m'en fous. Hop.
truc. Non, c'est pas là. Il est où le... Ah, y'a pas d'ordinateur. Oui, ouais, je le disais. Ouais, c'est bien ça, y'avait pas d'ordinateur. Je le disais aussi. Allez, encore un, et vous êtes bon. Là, elle nous explique qu'en gros, le dernier est le plus gros, avec plus de cartes, etc. Bon, ça va pas nous inquiéter plus qu'autre chose. Prendre ça, ouais, c'est bon. Allez, on accepte. Allez, bon, encore un petit truc. C'est la... Bon, on nous dit que c'est la... le dernier endroit où il y a une copie du film, mais qui est dans trois différents serveurs. Et donc, il va falloir hacker les trois différents terminales à chaque fois. Est-ce que vous voyez quelqu'un à propos de votre backup addiction? Elle nous dit qu'en gros, on ne sait jamais quand... un suspect meurtrier... est probablement en train de les effacer. Bon point. Merci. Allez. On y va, on perd pas trop de temps. On regarde un petit peu les trucs comme ça. Vous voyez ici, il y a une caméra qui va pouvoir activer quelque chose en fait. En passant dans le rayon d'action qui va activer je ne sais pas quoi. Bref. Ce qu'il faut faire ici, il faut passer ici, forcément. Parce que sinon on se fait remarquer. L'achat, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va falloir récupérer le machin là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... tout simplement... Mais non. Ça. Oui, non, c'est bille. Tac, voilà. Hop. Des trucs marrants à faire, en fait. Là, il va passer devant la porte et... Bam. Ça sert strictement à rien, mais j'adore. Enfin, si, ça me permet de dégager la voie pour aller pirater ça. Quoi? En gros, il dit qu'en gros, il y a une petite blague qui circule au sein de la police, qu'en gros, les caméras haïssent les gens de couleur, parce que ça, à chaque fois, ça les qualifie d'intrus. Bon. En fait, très simple, si on voit là, vous voyez, il nous repère. Et en fait, si vous voulez, je peux faire ça, je passe dedans, et ça active le truc. Très simple à utiliser. Aussi, on va pouvoir utiliser l'ascenseur. Vous voyez, attention, je vais essayer de le faire. Voilà, hop. Tac. Ouais, j'ai activé le switch qui va activer l'ascenseur. Et le bruit, en fait, va attirer le regard du yard. Ce qui va me permettre, tout simplement, d'aller ici. C'est absolument ça, Dwayne. Pourquoi je me merde? Voilà. Ouais. Ah oui, merde, il y a l'autre là. Comment on fait? Ah merde, je voulais aller en bas. C'est totalement Watchdog en mieux, hein. Mais alors, totalement en mieux, hein. Il y a un truc marrant à faire quand même, je vais le faire. Non. Eh merde. Connerie, bon.
Oui, aussi très important, les gardes ne nous voient pas quand on est dans l'ascenseur. Très très important. Donc on peut rentrer, tout ça. Voilà, il est enfermé. Il me voit pas. Il sait pas ce qui se passe. Il est tranquille. C'est débile. Ah oui, on peut aussi activer ce genre de trucs comme ça, oui. Ah oui, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Merde. Voyez, regardez, hop. Là, il me voit pas, donc je passe par là. Ensuite, oui. Oui, bon, bah. Et bah non, là si je descends, je suis mort. D'accord. Réfléchissons. Voilà, on va faire ça. Bon, là, je vous avoue, j'essaie juste de m'en sortir. C'est un peu difficile. C'est mal parti pour le speedrun, là, déjà. Ah voilà, ça y est, il va se mettre à vadrouiller. Et eux vont se barrer, voilà. Tranquille. Voilà, tranquille. Là, elle nous dit que bon bah voilà, on est libre, enfin que ça finit ce qu'elle avait à faire.
Et là, elle dit que bon, bah voilà, c'est une mauvaise idée de la faire chier. Hop, on va prendre ça. Tranquille, direct. Ici, on voit un appel à détresse d'une blonde qui nous dit « Désolé de vous déranger, en gros, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur endroit pour poser ça, mais j'ai été arrêté pour meurtre et je ne sais pas vraiment, et je ne connais personne, sauf j'ai utilisé mon dernier appel pour poster ça. J'espère que vous pouvez m'aider, voilà, parce que je suis un privé. » bon, bah là, évidemment, elle nous parle en SMS. Elle nous parle vraiment très très mal. En gros, là, il la vanne sur sa façon de parler. Ta gueule, la Megaforge. Ouais, c'est vraiment dommage que ceux qui ne parlent pas anglais ne comprennent rien. Là, elle dit qu'en gros, elle bosse pour quête. Enfin, pour. Machin Rook, là, la compagnie d'armes à feu, et son amie Selena, bah, elle était morte, et quelqu'un dit l'avoir vue. Là, elle demande notre aide, tout simplement. Là, elle dit que celui qui dit qu'elle l'a vu, c'est le mari de Melanie Rooks, Jackson. Et c'est un connard. Après, évidemment, ok, bon, elle veut pas qu'on le tue, elle veut juste savoir ce qui se passe. Mais moi, je vous dis, il faut vraiment faire ce jeu parce que, bon, bah, déjà, ça donne de l'argent au mec qui l'a fait, donc ça permet d'avoir plus de ses travaux, etc. Bon, je crois qu'on va vite fait passer les phases de dialogue parce que moi, je commence à en avoir marre de traduire comme de la merde. Mais enfin, voilà. Alors, voilà un tout nouveau truc de gameplay, le Wirelink. Aïe. Tout simplement, aujourd'hui, enfin maintenant, les systèmes sont protégés. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'entre et que j'aille poser un truc sur ce machin pour que je puisse hacker le reste. Tout ce qui est en vert. Très important, vous allez voir. Déjà, je suis obligé de faire ça pour pouvoir activer la porte. Tout simplement. Ensuite, je fais ça. Mon dieu, j'ai posé un petit truc. Ce qui me permet maintenant devoir recâbler les trucs comme ça. Alors ici, vous voyez, c'est un détecteur de mouvement qui commande la porte. Bon, voilà. Ici, on a ça. Bon. Du classique, du classique. Qu'est-ce que je peux foutre ça? Bon, tranquille. Même pas. Je vais l'enlever tout simplement. Et voilà. Et je suis bon. Est-ce que je... Où ils sont les laptops? Où ils sont? Oui, là-bas, je suis. Voilà, on monte. Bon, enfin, un mail de Cathy, on s'en fout. Vous voyez, cette petite box, c'est là où on doit entendre. Non, InText n'a pas cet Apple enregistré. Eh bien, oui, bien, merci, Captain Insight. Je ne savais pas qu'ils étaient en train de me déranger. Vous ne pouvez pas entendre un insecte. Ce n'est pas les putains de 90. Ok, d'accord. Je vous ferai savoir. Là, il se prend la tête dans ses mains. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? On va le savoir plus tard. Et je me casse. Bingo. Voilà, bon, en gros, on apprend que Intex a visiblement
quelque chose contre lui, et c'est pour ça qu'il a dit que c'était elle. Enfin, on pense que c'est ça. Bon, voilà, bon, après... Et là, on apprend qu'en fait, Jackson est tout simplement la tête de turc de Rook, sa femme, qui finalement, c'est elle qui dirige vraiment la compagnie. Voilà. Et vous voyez, maintenant, on a plusieurs missions à notre portée. Simplement, très simple à comprendre. Tiens, je pense que ça, c'est très bien. Qu'importe ici maintenant les missions, on peut les faire toutes pour l'instant. Conway, Frontier. Là il sait pas qui on est. Bon, là on apprend que c'est le CO d'Intex, la compagnie la compagnie concurrente de celle de Rook, qui va donc nous demander de faire des trucs impossibles. Ok. Voilà, en gros, il nous dit qu'en gros, il acceptera. Enfin, il faut pas laisser de gens vivants qui nous ont vus. C'est quelqu'un de très sympathique. Donc, cette mission, je vais essayer de la faire sans taper quelqu'un. Ou du moins, sans qu'il nous voie. Enfin, sans mort. Non. Alors. Comment qu'on fait déjà? Ouais, alors, il faut monter... Ouais, voilà, ça. Faut faire ça... Il va tomber. Ah, mon dieu. Oui. Il faut y aller. Dommage. Faut. Voilà. Là, très simple. On monte. Le bruit, le fait tilter. On descend. On monte par là, ça ne fait pas de bruit. On pose le machin. Ce qui fait qu'on va pouvoir... Ben, tout simplement le faire chier. Comme ceci. Hop. Ok. Il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Bah alors. Ah ouais, non, je suis con. Ouais, d'accord. Ouais, bon, mon but c'était tout simplement de le faire ce. Je me suis loupé évidemment. Voilà. Ça c'est fait. Hop. Très marrant. On monte, on se fait pas chier. On prend ça. Donc. Maintenant on peut descendre tranquillement. Et on se casse. C'est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas de soucis. Et voilà.
Ouais, c'est cool. On va se faire Collins maintenant. On prend ça, tranquille. 255 en cash, je peux rien faire pour le moment. Elle veut savoir ce qu'il y a sur l'enregistrement, donc on va lui donner, j'imagine. Et voilà, il faut aller hacker des trucs. Parfait. Tout de suite, on regarde ce qui se passe. On voit qu'il y a deux couleurs différentes cette fois qui vont nous servir. Tac. Hop là. Hop là. Ah non, c'est vrai, j'ai pas besoin de faire ça. Hop. On va attendre qu'il se casse. Hop là. Ouais, non, c'était débile en fait. Ouais, voilà. Hop. La soundtrack est vraiment absolument merveilleuse, je trouve. Enfin, moi, je la trouve merveilleuse, en tout cas. Voilà. Aïe. J'oubliais ce petit détail. Faut attendre que monsieur se barre. Sinon on peut évidemment le taper sur la gueule, mais c'est moins drôle. Hop. Oh. Merde. Oh. Ah, quand même. Merde, 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 merde. Hop là. Gunpoint, comme j'ai dit, c'est un puzzle game. Alors évidemment, à speedrunner doit être super drôle. Donc ouais, comme j'ai dit, achetez ce jeu. Quelle heure il est ? 15, 16h, dis donc. Ouais, voilà, c'est... Bon, on va direct... Aïe. Hop là. Et voilà, on a directement accès à tout ça. Évidemment, après, c'est un jeu d'attente assez long.
Ah putain. Heureusement, il y a de la bonne musique. Et là, je vais tomber. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Et on se barre. Client rating. Ah oh, merde, j'ai oublié de. Pff, chier. Tant pis. Au final, la note du score en fait ne sert à rien. Absolument à rien. Mais alors vraiment à rien. Donc voilà, c'était Gunpoint, je vais pas tout vous faire non plus parce que au final c'est pas super intéressant à voir, surtout quand c'est pas en speedrun. Je vais prendre ça parce que c'est vachement bien. Par contre, on va continuer dans comment dire, dans l'aspect Fedora, dans l'aspect détective avec quelque chose d'autre. Je vous fais la surprise. Donc on va se dire à tout de suite. Je vais mettre un peu de musique. Je sais pas quoi, mais. Puis bah tiens. Je vais continuer avec avec ce jeu, hein. Putain, c'est une super OST. Si vous avez une OST à prendre, bah c'est celle-là en fait, hein. Voilà, tranquille. Ouais, je fais de la pub sans vergogne, ils me payent même pas pour ça. I do it for free, comme ils disent. Bon, enfin, bon. Faut juste que je retrouve, hein. J'ai pas fini par contre, hein, attention. Hop, quitte un autosave, voilà. Gunpoint.exe, c'est fonctionné, magnifique. Hop. Je vous dis à tout de suite.